facciamo un punto e faremo, forse mi sembra e torno, mi sembra e torno. L'idée étant de consacrer un disque au répertoire qui a été écrit pour, essentiellement pour les grandes contralto vivaldiennes de cette époque. Donc vraiment écrit pour des femmes, d'où le nom du CD Prima Donna, chanté par une femme, dirigé par une femme, donc c'est un projet assez féminin. En fait, Vivaldi a écrit beaucoup d'airs pour les castrats, qui étaient très à la mode à l'époque, mais son grand amour, c'était les contralto. Mon but, c'était qu'on passe vraiment par toutes les émotions possibles et imaginables, faire vraiment un tour complet de ce qui a été écrit à cette époque-là pour ces femmes. Et dans tous les caractères, on a de l'héroïque, on a du brillant, on a de la virtuosité, on a beaucoup de profondeur, de très beaux airs lents, on a des couleurs d'orchestre très différentes. Dans le travail des musiciens, dans ce qu'on a fait ensemble, dans la qualité du son, c'est pas un son baroque comme on l'entend tous les jours, c'est un son qui est vraiment travaillé énormément sur des couleurs le plus rond possible, c'est-à-dire pour que les couleurs de l'instrument sur l'instrument d'époque fonctionnent avec une voix comme la mienne qui est très ronde. L'ensemble me permet effectivement de faire un travail plus intime, un travail plus tourné sur un axe des effectifs proches de l'orchestre de chambre. Et le faire vraiment avec la manière de pouvoir faire entièrement l'œuvre comme je l'ai toujours imaginé. C'est vraiment une toute nouvelle expérience d'assumer à la fois la responsabilité en tant que chef, toute la préparation musicale et puis chanter. Ça avance toujours. Hein, ça ne veut pas dire pressé, mais je suis là. Même endroit ? Courage. C'est merveilleux de gérer les deux,
parce que c'est un aboutissement musical complet, mais c'est vraiment épuisant. C'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer à la fois sa propre énergie, sa voix, et en même temps, un groupe, ça a aussi besoin qu'on donne tout le temps de l'énergie pour redynamiser quand on fait 6-7 heures par jour. Et quand l'orchestre a besoin de moi vraiment, je ne peux plus du tout m'occuper de moi. Et ça, c'est vraiment, en même temps, ne plus s'occuper du tout et devoir produire un chant le plus parfait possible, c'est évidemment un défi assez énorme. Sur le plan des émotions, je pense que voilà, j'ai vraiment eu la possibilité de choisir des merveilles musicales. Donc vraiment, son désert, à mon avis, c'est vraiment le top de la production de Vivaldi. Et c'est assez rare, finalement, dans un seul disque, d'avoir la chance de pouvoir réunir les moments musicaux qui nous semblent les plus beaux et les plus parlants du sentiment et de la vie humaine. Mmh.